Et y'a plein de petits potes qui nous invitent sur Clash Royale, les gars, je trouve pas de vidéo pour faire le défi type tirage triple, les gars, tout simplement, tout en trônant, donc la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner surtout, c'est plus important. Et là, juste pour cette première game, on va prendre que les cartes de gauche. Et voilà, donc on a un deck cochon royaux avec un gel, un soin. Ouais, donc là, en vrai, je pense qu'on a un peu un compteur de tout. Le seul problème, c'est que j'ai pas de petit sort aérien, genre un zap ou une boule de neige. Ou... Ça, c'est assez relou parce que c'est les balles, ça va me casser les couilles. Mais bon. Donc là, on va. Bah, je pense qu'on va cycler bûche direct. Hein, petite bûche cyclée, mettez deux, on va juste aller détruire si on peut. Ok, bon, ça va passer à grand chose. Je me tête à mettre ouais, ça comme ça. Bon. Vas-y. Si vous pouvez la détruire sauf si c'est un gros sort. Ah, mes frères, ils ont quoi de cochon là? Voilà, en tous les cas, il a mis 8, j'ai mis 10. Il y a une fenêtre qui met la pression, et là on va directement repartir en contre-push. Là on va lui mettre. Ah, mes frères, ils ont quoi? Ils ouais? Ok. Putain, ils sont que sous les armes squelettes, hein, c'est incroyable. Et les cochons aussi. On va remettre une fenêtre ici. Je pense que c'est la moyenne rentre pour ma fondaison. Moi ça va, c'est j'ai pas espoir un esprit. Au bout de feu. Ça c'est chiant. Pas vous mentir, ça c'est un peu chiant. Donc là ce qu'on va juste faire c'est partir un dragon de l'enfer du côté gauche. Alors il a un cochon. Non, il l'a pas encore. Si, putain, il va du cochon. Je crois qu'il va avoir un cochon. En fait, vas-y, on va bien le jouer. On va mettre les fenêtres comme ça cette fois-ci. Alors là, il va mettre toutes les yeux. Voilà. Ah non, dommage, j'ai joué l'esprit, il avait passé. Bon, on va mettre un dragon de l'enfer sur le côté gauche. Ok, on va mettre une artificière, une petite pour aller. Donc là, j'ai un dragon à. Dragon de l'enfer qui va mettre tout ça tranquillement. Nous, on va partir avec ça. Un petit touche de touche. Ah, je sais pas ce que c'est. Oh! Bonne DR, on va. Ok. J'en ai pas besoin, mais je vais quand même en mode. Voilà quoi. Mais si je vais faire ça, pas les deux âmes, c'est juste parce que c'est des plus. Genre. Artificière, Valky. Tu passes plus là. Ok, les gars, on passe la première victoire de la vidéo. Tranquillement. Ok, bon. On va aller récupérer cette petite récompense. Ok, maintenant je vais prendre que les cartes du milieu. Ok, donc on a un deck qui n'a pas de sens. Qui a un chien gobelin. Ouais. Bon là il y a moyen que je joue. Hein. J'ai quasiment rien pour défendre. Ma défense va pas être très solide. Comme sort, une foot ça va pas être un chien gobelin. Le zap ça peut, mais. Et encore, c'est pas incroyable genre. Ouais. Celui-là il prend du temps hein. Bon. Oula merde, c'est quoi, c'est mon téléphone ça, c'est moi. Ok. Bon là, c'est moi pour le bordel.
Il a mis un fusil, ok. Donc on a juste un petit pêcheur. Nous j'ai une bouton à passer en mode balèque, je pense. Allez, hop, voilà. Je pense que ça va être notre pêche. Hein, clairement, je vais pas mentir. Ok, on prend la moitié de son colis. Ça s'est donné un coup. Voilà, un mort. Voilà, nickel, je vais mettre une presse. Ok, on a eu beaucoup de dégâts pour prendre les pêches, ça c'est plutôt cool. J'espère juste qu'il a pas de golem, parce que là s'il a un golem, je sais comment je vais foutre. Ok. Cimetière. Cimetière pour son mec Balek, vas-y hein. Carrément mec. Hop, on va zap tranquillement. Tout on défend facilement, là ça va. Là je pense qu'on va faire un push comme ça. Ok, là on a fait un bon push je pense. Je vais quand même qu'il y a plein de tours. Si on a une full dégâts on peut finir quand on veut. Ah bon, je sais pas comment bien défendre le cimetière, c'est la question. Ouais. C'est qui repose une petite tombe seule là. Ok, on a ça. Ouais, d'accord. Il y en a légèrement, genre bien à foutre. Vas-y. Hein. Ok, bah vas-y, go faire un push. Hein. Moi ça me va. Bon, là on va refaire un push de type push. Mais là, on a, je suis en train de gagner. Oh là, je vais faire un petit push. On a pas tout, on a fait des dégâts, c'est cool. Là on a le poisson par contre 0 coup. Et là en fait on va prendre cher. On va même peut-être faire de la tour. Là je pense qu'on va perdre malheureusement et bon c'est pas garanti pour soi. Cimetière joue, je sais pas comment défendre. Vraiment c'est une catastrophe ce cimetière. On va mettre sur le vin, ça, tac, ouais, ça. Je vais tout la dernière là. Hop, voilà, le pêcheur commence, je vais déjà commencer. Et là il va mettre un contre-pêche, je vais pas assumer. Je dis direct, je vais pas assumer. Ça sort de nuit. Ça, on va mettre un pêcheur, on va zapper tout ça. On va vous mettre des petits squelettes pour aller défendre les pêcheurs. On va mettre un survolement du Knight. Ouais, bien joué. Il y a des gens bien joué. On va juste foutre ça. Tac, tac, tac. Ouais, il va renvoyer son push, je suppose. Voilà. Les petits squelettes. Les petits pêcheurs. Normalement, il y a moyen de faire des très bonnes défenses en vrai. Donc, ça. Juste il nous rattrape parce que nous on fait 0 dégâts si ça me saoulait. On va faire comme ça. Tac tac tac. Allez bien joué. Il est extrêmement bien joué. Ouais le problème c'est que je crois que je laisse le temps de tout voir quand on est avec ça. Voilà on va forcément mettre le coup. Je pense qu'il va faire max. Ouais je pense qu'il va envoyer son poche cimetière. Voilà. Déjà rassuré. Ah bah attends, bien joué. Non, allez, allez. Et c'est bon, normalement c'est géré, le chasseur qui prend tout ça va être dramatique. Et c'est maintenant qu'il va falloir qu'on prenne la pluie. Là normalement il a pas le temps de tout remettre. Voilà, le chevronnement qui a énormément gratté. On peut même balancer une food. Tac, 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 et on termine la zap. Et c'est super combat avec un deck qui n'a aucun sens. Je sais pas comment j'ai gagné, je pense à la fin j'ai extrêmement bien joué. Ouais. En vrai c'était chaud. C'était très chaud. On va récupérer ce petit coffre en or, voilà. Rien d'incroyable. Et on repart sur cette 8 semaine. On va prendre les cartes de droite cette fois-ci. Ok, ouais. Ah. Ouais. Alors, on a un géant, ça va. Ok, donc là on a vraiment un deck de merde. Il y a une carte en mon deck qui va servir à rien. Je pense même pas à la jouer. Ouais, c'est pas incroyable les cartes qu'on a, hein, je peux pas vous mentir. Ok, donc là, on tombe sur Arrive de King Mashallah, Mashad,
On va mettre un géant. Ah oui, d'accord. Lui, on a rien à foutre. Ah oui, c'est ballon au pied. Ok. Ouais, je vais prendre un coup, je pense. C'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, c'est pas un coup. Deux en plus. Bon, là, il a mis 8 d'élixir. On a mis 8 d'élixir. Sauf qu'on a un géant sur le terrain. Donc là, ce que je vais faire, c'est je pense que je vais mettre un bourreau. Je vais aller gérer ses guardos. On va mettre des barbares d'élite. Je pense en vrai c'est pour faire le taf. En vrai je peux déjà faire le taf. On a une masse de dégâts. On a rattrapé la game là, hein, clairement. Là on va juste mettre des petits squelettes. J'ai rien pour défendre. J'ai porté un géant. Géant offensif. Je vais juste mettre une princesse là. Je pense que c'est une artificielle qui va défendre. Vas-y. On défend j'en ai des gros points d'élixir là, genre vraiment. Bon, on va voir comme la tour, moi c'est pas. Hein. Bon, voilà quoi. Okay, là on a fait un très très bon flux. On a l'avantage, Je suis déjà debout absolument pour son ballon. Ça peut très 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 vite devenir très compliqué. Et là je pense que c'est le moment de bourriner. Ok, Zabi, qui est avec Barbar. Voilà, on va le mettre très mal. Hein. Et là, en plus, on a un poison pour aller terminer ça. Je sais pas comment il est ici, là. Je sais pas si c'est pas mal du tout. Je pense que je vais garder plutôt mon élixir. Juste mettre ça là. Ah, si on prend un coup de zappi, c'est pas dramatique. Hein. C'est vrai que si on prend un coup de zappi, c'est pas dramatique du tout. Là, on va envoyer toute la daronne. Ok, là il a fait un très mauvais ballon, parce qu'on va arrêter de prendre cette vie, parce qu'on a fait un gros ballon. Donc on va clairement arrêter de fuir. C'est pas dramatique. Parce que là, on va si Baba il mettait un point, je vais mettre un fuit, je vais mettre un boss, c'est carré. Les gars, c'est incroyable, les gars j'arrive à gagner. Des fois je me demande c'est quand même possible. Vraiment, pas plus de troll. Hein. Ok, 8 pièces, bah c'est bon, on a déjà pas mal de pièces. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quelle carte voulez que j'améliore. Déjà je suis en New York Gang. Voilà. Dites-moi la prochaine commune que vous voulez que j'améliore. Il me manque les fripons, les barbares d'élite, les recrues, l'artiste, noble, esprit, gobelin à lance, jambon-beurre, collier et les dragons squelettes qui sont là. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, pour les vrais qui sont arrivés juste ici, je vous kiffe. Donc les gars, là, on va prendre par lettre alphabétique. Donc, Colissée, bûche B, boule de neige B, B U B O. Ok, boule de neige. S G et R. C'est G qui est en fait. On est en décor. G P B. Ouais, c'est ça. Bon, Arkix, forcément. Extracteur, sorcière, bouliste. Bouliste. Catastrophe, hein. Fantôme, F, V, P. C, E, H. F, G, S. Ah. Ok, c'est bon. Ok, donc là on a notre deck. Vas-y, on va mettre un marqué sur ce play. On va pas les couilles. Là je pense qu'on a bien joué. Ah, là on a bien joué mec. C'est un scandale là. Mais mec, en fait stop d'être trop fort en fait. Alors faut jamais être trop fort. Ah là là, ce jeu. J'espère juste qu'il joue pas comme des élixirs.
Blaze qui a fait une très bonne value. Qui va tout détruire, mais qui va pas se faire. Okay. Et là, je pense qu'on va partir en Arc-X encore. En Arc-X, c'est défensif. On va être sur la charrette avant qu'elle ne touche le tour, nickel. Là, on a bien joué. En mettant fantôme, on a la snowball au cas où. Je pense je dois juste... Ok, l'Arc-X va gérer. Bon, moi, on va devoir quand même mettre un chasseur, mais l'Arc-X c'est vraiment une carte avec trop shit. Hein. Vraiment. Bon, malheureusement, on prend des coups de sapeur à cause de la guerrier. Ça ne marche pas dramatique, on va juste envoyer un squelette. Je suis celui qui a mis bien la pression, il a ses glaces. Il va pas très très bien défendre, il a raté ses flèches, ça c'est cool. Le squelette qui va se masse des gars, ça c'est bon. Et là, les gars, on est des archers magiques. Normalement, ça va toucher la peau. On va devoir mettre une Arc-X def. Je sais pas si je suis en tour. Moi je vais faire fantôme là-dessus. Je suis en la tour. Il va faire quelque chose. Ok, bon là, là il va mettre la down, mais je vais essayer, donc je vais vite. C'est que là il existe. Et là ça y est, on va toute la down là. Hop, petit snowball. Non mais là il y a pas trop cher, mais là les gars on va directement en arc de côté. On va déjà devoir def le côté droit et ensuite le côté gauche, ça c'est cool, on va mettre le petit ghost. Il faut juste pas qu'il nous prenne def. On va juste mettre un bouli. Voilà, on peut jouer dans la squelette nous. Ah c'est un peu bon. On va même mettre des arcs, c'est quoi. C'est pas meilleur un jeu, c'est pas neuf. Je sais pas s'il pense pouvoir me gagner. Ok, bah j'ai joué les gars, mais du coup, c'est ça. Ok. Vas-y, on va récupérer ce petit objet, les gars. J'espère la bonne carte. Ok, mais ça on s'en fout, ça on s'en fout. Snowball, c'est bon, c'est une bonne carte. Même l'élixir, ça me va. Ça va, franchement c'est un bon coffre. Ça va. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et ciao pour la prochaine vidéo sur le toit mondial. Ciao.